Bonjour et bienvenue sur le mur des lamentations. Aujourd'hui, notre commentaire médiatique vous donne un éclairage de la planification des attaques de drones des États-Unis contre l'Irak. Selon les gros titres du vendredi 13 juin 2014, des entreprises américaines en Irak rapatrient une partie de leurs employés de la région de Bagdad. La raison en serait la progression de combattants islamistes d'ISIS en direction de Bagdad. Selon le porte-parole du gouvernement, les États-Unis envisagent des attaques de drones, mais des troupes au sol seraient exclues par Washington. Pour un non-initié, le renoncement de troupes au sol pourrait paraître rassurant. Mais ce n'est pas le cas pour la population concernée. Il s'agit ici de se rappeler les attaques de guerre récentes des États-Unis contre l'Irak, non justifiées, car basées sur des mensonges. Les images suivantes montrent de quoi il s'agit lors d'attaques aux drones et elles prouvent pourquoi l'armée américaine fait la guerre seulement par les airs. La technologie devient de plus en plus sophistiquée. Nous avons des bombes intelligentes, des armes de haute précision. Et pourtant, il y a de plus en plus de civils qui sont tués que de soldats. Le nombre de civils tués n'arrête pas de croître depuis la Première Guerre mondiale. Nous avons développé une froideur totale en ce qui concerne nos armes. Voilà la zone ciblée. Nous avons largué la bombe. Quelle force d'accélération en chute libre! C'est une façon formidable de faire la guerre. Oui, chef. C'est une façon formidable de faire la guerre. Oui, chef. Avant même que les États-Unis aient dû rendre des comptes devant un tribunal de guerre international pour leurs crimes de guerre en Irak, déjà, ils menacent de faire de nouvelles attaques de bombes avec de nouveaux arguments. Notre journal Le Mur des Lamentations avait déjà prédit, sans la moindre ambiguïté, que les États-Unis interviendraient encore une fois dans les pays qu'ils ont eux-mêmes déstabilisés. Pour cela, nous diffuserons chaque fois que ce cas de figure se répétera notre court-métrage éducatif intitulé « Comment fonctionnent les guerres modernes ?». Nous vous prions, chers téléspectateurs, de regarder ce court-métrage qui fera suite à notre journal autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les différentes étapes exposées soient profondément ancrées dans votre pensée. Chers téléspectateurs, transmettez cela partout où vous le pourrez. Car seulement ainsi, il y a de l'espoir pour que la communauté internationale soit à nouveau indépendante du mainstream, c'est-à-dire qu'elle apprenne à penser de façon mature, et ainsi, éventuellement, elle pourrait détourner à temps une troisième guerre mondiale imminente. La répétition est maître de l'enseignement. Merci de tout cœur pour votre coopération.